Nous autres, c'est vraiment un choix de mode de vie. Nous autres, là, c'est quasiment comme si c'était notre religion, au sens que on est venu vivre en campagne pour vivre avec ce qui va avec le côté bucolique de la campagne. Sauf que ça, on est d'accord, puis on est bien heureux, puis on est très satisfait à ce niveau-là. On fait ce qu'on aime, on n'a pas de boss à endurer, on n'a pas de véhicule à prendre le matin pour aller travailler. Ça, c'est merveilleux. Mais ce qui nous déçoit beaucoup, c'est le peu de rentabilité que l'agriculture peut dégager. Si je me mets à peine, quoi, une dizaine, 10, 12 kilomètres à la ronde, là, j'en connais au moins 4-5 qui ont abandonné là, dans les 3-4 dernières années. Là. Il y a tellement pas de marge de manœuvre en agriculture, t'es quasiment toujours au coût de production. T'sais, t'as pas de marge de manœuvre. Donc, la moindre affaire qui survient, que ce soit sur le marché ou une maladie ou n'importe quoi, tu tombes tout le temps dans le négatif. Puis ça, c'est le petit côté décourageant de l'agriculture au Québec présentement. Bien, plutôt que d'avoir des mesures protectrices qui devraient nous aider, nos gouvernements, ils font des libre-échanges avec d'autres pays ou d'autres provinces sans exiger des normes de réciprocité sur nos normes que nous autres, on s'est données. De dire, au Québec, produire un agneau coûte tel prix. Les régions se vident, les branches repoussent, puis notre nourriture, ici au Canada puis au Québec, vient de plus en plus des pays extérieurs. Puis du jour au lendemain, qu'il y aura une épidémie, une épizootie quelconque mondiale, que ce soit au Brésil ou en Amérique du Sud, que les frontières vont être fermées à cause d'une fièvre afteuse ou une crise de vache folle, ben les Canadiens puis les Québécois, on va se nourrir où, là?